Hey, salut tout le monde, c'est Atomania et on se retrouve aujourd'hui pour le 14e, il me semble, épisode de Pokémon Platine, donc en random challenge. Donc la dernière fois, nous étions arrivés à Uniopolis. Donc dans cet épisode, on va faire l'arène de Uniopolis. Et c'est parti au ralenti. Comment est ta présence? Oui. Ah, oh, purée. Ça ne peut pas être possible, tu te demandes pourquoi. Ok, d'accord. Faut aller d'abord à la salle de concours. Qui est juste ici, me semble. Oh, bah, elle est là. Ou après, ça rame. Ça ramouille, hein. Pervers. Ah, mon ange gardien. Oh, bonjour, Atom. Attends, non, impossible, Ingrid, c'est ta maman? Tu dois t'y connaître en concours. Bon, je n'en sais rien. Je n'ai jamais parlé des concours à Atom. Mais je suis surprise que vous connaissiez. Ouais, c'est vrai, j'oubliais. Je dois te remercier pour tout à l'heure. Ouais, enfin, pour moi, c'était pour vendredi. Je dois te remercier, ouais. Je prends cet accessoire de la poudre luisante. Mais cet accessoire sur ton Pokémon avant un concours, tu lui donneras un zeste de sophistication et de glamour. Je suis juge des concours, rejoins-nous, tu verras, c'est très amusant. Et si tu n'as pas confiance en toi, nous proposons aussi des entraînements. Très bien, Ingrid. À la prochaine, ouais. Ah, Chimera. Chimera. Ça t'étonne de me voir ici, Atom? Je m'ennuyais, alors j'ai mis les voiles pour prendre des vacances à Uniopolis. Je suis vraiment surprise de te voir, mon poussin. Si tu comptes vraiment participer au concours, tu dois changer de tenue. Il faut suivre l'exemple de ton Pokémon et de pomponner. Enfile ça pour avoir un peu de style. Oh, y a un micro décalage. Je parie que ça t'ira à merveille. C'est moi qui ai choisi cette tenue. Cours, profiter des concours, poussin. Tu découvriras des Pokémon sous un autre jour. Cette expérience devrait t'ouvrir les yeux. À la prochaine! Moi, je vais juste affronter Chimera, en fait. Oui, je te demande pas de nom. Ah, yes! Tu es là pour les concours. J'espère que ça te plaira. C'est pas beau, Chimera, le championnat. Ouais, je fais très mal les voix de filles, en fait. Hein? Allez, ouais. Bah, c'est toi en fait. D'accord, en fait, elle parle d'elle au pluriel, donc du coup, c'est une nymphomane. Lol. Alors, attendez, on va accélérer un peu. Bélé, 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 bélé. Salut toi! Comment ça va, futur maître? Laisse-moi te dire que cette arène, c'est pas de la tarte, alors pourquoi? Je t'explique que, d'abord, elle est plongée dans le noir, oh, pas d'inquiétude à avoir, j'ai une lampe torche sur toi, pour toi. Allez, 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 je vais juste battre Chimera et m'en aller d'ici. Dépêche-toi. Voilà. Ah mince, il n'y avait pas de micro. Attendez. Du coup, là, j'entends presque plus rien. Lol. Alors, là, c'est du rond. Ah bah, elle est plongée dans le noir, mais j'ai pas mis les réglages. Attendez, on va accélérer le combat. Ah oui. Bastiodon contre Togemon. Colère. C'est le one shot presque. Allez, voilà, colère encore. Pas mal. Ça, c'est le rond. On va faire. Ah merde, on va faire les combats. Ah bah oui, et du coup, l'arène n'est plus plongée dans le noir parce que je joue sur émulateur. Oh là là. En même temps, j'ai pas de 3DS capture. Donc c'est normal. Arbok. Aïe aïe aïe. Point météore.
Il fait trempette. Il a fait trempette. C'est bon ça. Donc hop, par ici. Et ouais. Salut. En fait, la lampe torche ne nous servait à rien. Armando. Ok. Et peut-être où? Wash. Feu sacré, l'autre, il a l'attaque signature de OO. Peut-être qu'il y a un OO. D'ailleurs, oui, j'ai eu mon OO Shiny. Que je cherchais depuis presque 2 semaines. Alors, ok. Alors, on va accélérer le petit combat. Parce que moi, je veux juste battre la championne. Shinity. Colère. C'est bon. Et gros drive. Mais oui, j'ai toujours pas fait les layouts. Et tant pis, je le ferai pas. Je mettrai une annotation. Je mettrai une annotation sur les badges que j'ai pas eu. Voilà. Alors, c'est la porte qui est juste en face de nous. Téléfix. Psycho. Et bah, ok, mon Togemon, il est mort. Normalement, j'ai des rappels. Et Sean, c'est à toi. Tu devras évoluer. Dracochoc. 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 Voilà, c'est bien, Sean. C'est très bien. Goupix. Hydro-canon. Ah, c'était pas efficace. Coup de jus. Voilà, c'est bon. Ouais, on va le rappeler. Je crois qu'on a des rappels max et tout. C'est trop de cheat day. Alors, potion max, rappel max. Bah oui, bah je sais. J'ai plein de potions, tout. En même temps, tu t'es un petit peu obligé. Ah, attention, là c'est la championne. Wouhouhou. Ouais. Ils font concours dans cette ville. Ok. Mais je remporterai la victoire. C'est le travail d'un champion d'arène. Isn't it? Qui veut dire n'est-ce pas? Et voilà, contre Pi. En fait, on va se battre contre Pi. Les Pi. En Pifleur. On se bat pas contre Chimera, mais on va se battre contre Pi. Plan Soleil. Un flash choc mental, c'est pas mal, il n'y a pas trop retiré. Contre moi, j'ai pas retiré masse, hein. S'il te plaît, psycho, sois pas confus, c'est bon. Ça va être chaud. Il y a des hippies qui utilisent une super potion, ok. Colère. Boule de nœud. Ah. Ok. Ça veut tout dire. Dracochoc. C'est bon ça. Ah ça va, elle sera pas trop cheatée elle. Ah je pense qu'on pourra faire des profils après. Coup critique. Roulade. Dracochoc. Allez hop, Dracochoc dans sa figure. Et ouais. Niveau 30, et hop, le petit Antiflore. Et ouais. Ah oui, c'est déjà ton dernier Pokémon. Allez hop, le petit Antiflore, il va être KO. Même pas, Stratopercute.
Ah, c'est pas efficace. Mais non. Je vais jamais abandonner une seconde, ok. C'est bon, ça va être bon. Hydrocanon. C'est super efficace. Les gens, c'est super efficace. Et voilà, on a battu les hippies. L'autoconfiance est fantastique. Je suis stupéfié. Vraiment, très très fort. Toi et tes Pokémon, very étonnant. Une puissance gigantique. Tu as bien mérité ce badge d'arène. J'ai reçu le badge fantôme de Chimera. Grâce à ce badge, tes Pokémon peuvent utiliser la capacité anti-brume hors combat. Now, tu peux also te servir de cette capture technique. Je dis, ce sera très utile à toi. CT65. Poudre toxique. C'est poudre toxique. Non, poudre toxique, ça fait pas de coup critique. Hein. La poudre toxique. C'est cool. Ah, c'est bien. En plus, on pourra s'acheter plein de boules. Ouais. Attendez, on va accélérer un petit. On accélère un peu. Regarde, ça fait pas trop de décalage. Non, ça va. On va éviter d'accélérer masse. On va s'acheter des balles, des soins balles. 57. C'est perfect. Allez, attends, attendez. Dans les médicaments, normalement, on peut trouver des. Attendez, je vends tout. Mais là, je m'achète une masse de boules. Hein. Attendez. Je vais m'acheter toutes les boules du monde. Hein. La super boule, un peu les clés jusqu'à la super boule. De toute façon, pour les Pokémon légendaires, j'en aurai un petit stock. Bon, on va faire des petits peaufines. Attendez, il y a Evoli. Il y a Evoli, je crois. La peaufinerie, il est où le fan club? Je crois qu'il y a Evoli avant. Il est là, je crois. Oui. Yuhu, tu es un dresseur. Donc, tu utilises des boîtes Pokémon. J'adore croiser des utilisateurs. Et, oh, qu'y a-t-il? Pourquoi c'était étonné? Oh, c'est vrai, pardon. Une fois de plus, je parle trop. Je m'appelle Amel. Tu sais, les boîtes Pokémon du PC, c'est moi qui. C'est moi l'administrateur système. Je sais que c'est un. Oui. Attrape. Je ne peux pas te le donner. C'est maman ou jeune. Oh, mais. Attendez. On va aller là. Dans les boîtes PC. Enfin, dans le centre Pokémon, quoi. On va aller dans les centres. Dans le centre Pokémon. On va déposer un Pokémon. Et hop, Cacnea. Et je suis sûr qu'en fait, le Evoli, bah, c'est pas vraiment un Evoli. J'en suis sûr. Je suis désolé, ça rame autant. En même temps, voilà, c'est la ville. Oui, allez, 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 allez. Ah oui, un Evoli. Attendez, il est de type quoi, Evoli? Evoli est de type quoi? Feu roche. Ouais, x4 à l'eau, au sol. C'est un mauvais type. Et la lavabo. Attire les attaques haut visant un Pokémon. Donc en fait, s'il y a un Pokémon qui a une attaque haut, c'est lui qui se prend tout. Ronflement, haut croupi, boule rock, coup croix. 35 en attaque.
que défense 29, attaque SP 33, défense spéciale 20 et vitesse 24. Des lâches de nature, donc je crois que c'est. Je sais pas si c'est neutre ou pas. Je crois pas que c'est neutre. Voilà, on va aller faire quelques peaufines. On se quittera là. Voilà. Attendez, je vais aller chercher mon Togemon. Et ouais. En Togemon. Voilà. Déplacer Pokémon. On va le déplacer dans les Pokémon. L'échanger. Ah ouais, en plus, il y aura le rival après. Il y aura le rival. Le combat du rival. Pute. Oh, la peaufinerie, il y a des choses ici. On va faire quelques peaufines. On va en faire un. Et puis on se quittera là. C'est à elle qu'il faut parler. On passe au fourneau. Oui. Ok. D'accord. Ok. Ah, c'est à elle qu'il faut parler. Oui, je suis venu étudier. D'accord, faut avoir une boîte peaufine. On la trouve où? Bon, tant pis. Hein, du coup, nous, on va se quitter là, les gens. Alors, merci d'avoir regardé cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. À mon compte Twitter également. Laissez un petit like ou un petit commentaire, ça me fera plaisir. Allez, salut tout le monde.